Ok. Vous avez vu, pas de problème? Bien. La flèche blanche permet donc de... Que vous obtenez la flèche blanche avec la touche contrôle permet donc d'englober une partie du tracé sélectionné. Et si on englobe la totalité, tous les points sont sélectionnés et on peut ensuite, toujours avec la touche contrôle, bouger la totalité des tracés sur le plan de travail. Ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est la touche contrôle du PC ou commande du Mac. Quand on clique à côté, ça désactive. Quand on englobe une partie, ça sélectionne une partie. Mais si je veux bouger tout, je dois englober tout. Et puis je bouge, on voit que tous les points sont devenus noirs. On arrive à bouger sur le plan de travail tous les tracés, toujours avec la touche contrôle. Bien. Je clique à côté. Et alors là, vous pouvez prendre éventuellement la flèche noire ou alors vous faites touche contrôle alt. C'est le raccourci pour la flèche noire. Ça marche. Parmi les deux flèches ici, hein, je pourrais toujours être avec l'outil plume, mais il n'y a pas de problème. Hein. Touche contrôle, flèche blanche, touche contrôle et alt, flèche noire. Et à ce moment-là, quand vous cliquez sur n'importe quelle portion du tracé, tous les points s'activent et vous allez pouvoir le déplacer. Alors attention, là je viens de le déplacer, ça a fait une copie parce que j'ai gardé la touche alt enfoncée. J'annule. Une fois que vous avez en fait vos points qui sont sélectionnés, il ne faut plus enfoncer la touche Alt parce que quand on déplace un élément dans les logiciels Adobe en ayant la touche Alt enfoncée, c'est pour faire une copie. Donc je récapépète. Touche Contrôle et Alt enfoncée, c'est la flèche noire. Je clique sur un tracé. Tous les points sont activés. Ça veut dire que si je le déplace, tout va se déplacer. Si je le prends par n'importe quelle partie, tout va se déplacer. Mais je dois lâcher la touche Alt et je n'utilise plus que la touche Contrôle, le raccourci de la flèche, pour le bouger. Et ça marche. Parce que si j'enfonce la touche Alt en même temps et que je le bouge, ça fait une copie. J'annule, CTRL Z. Ça peut être pratique de faire une copie, mais dans ce cas-ci, ce n'était pas voulu. Je veux juste le déplacer, donc c'est juste la touche CTRL sans la touche Alt. Je sélectionne l'entièreté du tracé à côté, CTRL Alt, je clique sur lui. Tous les points sélectionnent, je lâche la touche Alt, mais pas la touche CTRL et je bouge, j'arrive à le bouger. Alors c'est un cap à passer. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, ça va être vraiment très intéressant. C'est vraiment génial les tracés quand on fait des trucages photo. Et puis en plus, c'est la base de Illustrator. Donc si vous faites du dessin dans Illustrator, on peut s'en passer dans Illustrator. On peut faire de l'Illustrator sans utiliser la plume. En démarrant de dessins qu'on a fait sur le papier, qu'on a photographié ou scanné, qu'on vectorise, donc on transforme le dessin en vecteur tout seul, c'est Illustrator qui le fait. Donc techniquement, c'est possible. Mais professionnellement, c'est essentiel de maîtriser la plume.